Alors, le combat n'est pas encore commencé, mais Matt Viviani fait exprès pour faire attendre le Lion du Nord. Il fait des étirements, c'est vrai que c'est bon avant toute forme d'exercice physique. Il est mieux de faire beaucoup d'étirements parce qu'avec Max Demir, ça va être intense. Et la foule de Lévis veut que le combat commence. Alors, Matt Viviani, il préfère la langue de Shakespeare à la langue de Molière. Alors, Matt Viviani qui nous dit les bonnes manières ce soir d'essuyer ses pieds avant de rentrer dans l'arène, signe de respect. Et nous avons finalement le début de ce combat. Oh, une démonstration de biceps. Et Max Lemire bâti comme une tente. Ah, et Matt Viviani qui nous prédit qu'il va aller dans les cordes et que Max Lemire va tomber. Alors voyons voir. Oh, pas exactement ça qui est arrivé. Ah, c'était un réchauffement. Ah, cette fois, ça va être pour le vrai. Bon, Matt Viviani qui se réessaye. Et le même succès. Peut-être changer de tactique va être la solution. Ah, et Matt Viviani qui nous dit qu'il y a trop d'huile à bébé. Il est trop glissant. Et Matt Viviani rencontre la corde à linge. Et Max Lemire, splash! Et renvoie Viviani à l'autre extrémité. Et un deuxième. À la grosseur de Matt Viviani, c'est pas que le splash. Et Viviani à l'extérieur. La moitié de Casanova Productions est mal en point. Viviani à l'extérieur toujours. Essaie de reprendre son souffle. On s'asperge, on essaie de reprendre vie, reprendre souffle. Et Viviani utilise très bien le compte de 10 de l'arbitre. Oh, et il a brisé le compte, ça recommence de zéro. Et Max Lemire qui garde son calme, même si Viviani essaie de le baiter à l'extérieur. Et le Lion du Nord fait sa sortie maintenant. Viviani l'a même pas vu. Oh, 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 Atemi! Oh, on demande le silence. Oh, oh, oh! Et tout le complexe a entendu l'Atemi de Max Lemire. Oh, et on a une reprise. Oh, oh, oh! Je suis certain que Casanova Production aimerait couper ça de la production. Et un tour du chapeau! On fait ça aux trois extrémités de l'arène. Est-ce qu'on s'en va pour compléter le tout? Ouais, Max se projette, mais rencontre le poteau! Et Viviani qui proclame son intelligence. Oh! Projection encore dans le poteau. Ça, c'est une manière de pouvoir arrêter quelqu'un d'aussi bâti que Max Lemire. Et encore projection dans le poteau. On a eu une visite de chaque barricade. Est-ce qu'on va avoir une visite de chaque poteau? Matt Viviani, très bien bâti. Pas exactement au niveau de Max Lemire, mais qui l'est? Oh! Et encore! Projection! Troisième poteau, tour du chapeau, Casanova Productions! Et l'intelligence de Matt Viviani est bel et bien intacte. Oh! Et Viviani qui met le chapeau de quelqu'un!
Et il mêle à Max Lemire. Oh, et... Oh, le caméraman s'est fait bousculer. Et Max Lemire frappe le quatrième poteau. Mais Viviani a trouvé une manière de couper le momentum de Lemire. Et on embrasse le poteau parce que, oui, effectivement, il faisait partie de Casanova Productions pendant ce combat. Et Viviani, qui y va encore une fois, non, on rentre Max Lemire dans l'arène. Mais Viviani, maintenant, doit finir ce combat le plus rapidement possible. Et on utilise les cordes pour l'étranglement. Et Matt Viviani qui stipule qu'il connaît les règles et qu'il a jusqu'à 5. Et Maxime Lemire a vraiment été arrêté de tout momentum qu'il avait bâti. Oh, et Viviani brise nuque. Shake, rattle and roll. Et Viviani prend son temps. Et tire Maxime Lemire. Ça prend de la force. Et Viviani qui s'en va sur la deuxième corde. Haute voltige et ça paye. Un, deux. Oh! Quel dégagement! Viviani revole sur l'arbitre. Et Viviani qui comprend à quel point que Maxime Lemire est fort. Et Viviani qui annonce qu'il s'en va au troisième corde dans le district de la haute voltige. Faut être prudent, mais si ça frappe, ça peut être payant. Et Lemire qui coupe. Oh! Et un overhead press par-dessus la tête. Et il le laisse tomber comme un sac de vidange. Et un splash. Un. Deux. Compte de deux. Maxime Lemire qui démontre quand même beaucoup d'agilité. Lemire maintenant retourné en contrôle. Soulève Viviani. Viviani qui s'esquive. Et un atemi dans le dos. Un autre coup dans le dos. Et Viviani qui veut affaiblir le Lion du Nord. Et coup de boule! Et il se fait lui-même mal. Oh! Et Maxime Lemire! Qu'est-ce qui se passe? Et il reprend des forces! Rien ne peut empêcher Maxime Lemire. Et Matt Viviani est dans le trouble. Corde à linge. Et un coup de coude. Et Viviani... Oh, coup bas! Mais l'arbitre n'a rien vu. Et le Lion du Nord encore dans le poteau. Et Viviani s'en va pour une pedigree et c'est frappé! Peut-il avoir le 3? 1, 2, oh! Dégagement, dernière seconde de Max Lemire. C'était proche, mais proche, ça compte pas! Oh, et Viviani qui dit un autre. Un, c'est bon. Deux, c'est mieux. Voyons voir si ça va fonctionner. Oh! Et Lemire, là, sur ses épaules! Oh! Mais les doigts dans les yeux de Viviani! Projection dans le coin, c'est renversé. Viviani, non! Maxime Lemire le reprend. Passe par-dessus. Est-ce que ça va être le F5? Et voilà! Mesdames et messieurs, est-ce qu'on a le 3? 1, 2, 3! Victoire, Lion du Nord!